Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, plusieurs sujets, notamment les grossesses en milieu scolaire. Le gouvernement va renforcer la lutte. Les auteurs seront traduits devant les juridictions. On en sait plus avec Jérôme Koufia-Boulet. Les membres du gouvernement, à nouveau au palais présidentiel ce mercredi 2 avril 2014, dans le cadre du Conseil des ministres hebdomadaire. Également présent pour présider cette réunion, comme à l'accoutumée, le président de la République, Alassane Ouattara. Une réunion qui a été l'occasion d'évoquer l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire étant pays frontalier de la Guinée, il est donc question pour le gouvernement de mettre l'accent sur des mesures préventives pour permettre aux Ivoiriens d'être toujours à l'abri de cette maladie. Il faut d'abord dire de façon claire, nette, aucun cas n'a été à ce jour observé sur le territoire ivoirien. Aucun cas. Des mesures sont prises. La première, c'est la création de 4 postes avancés de coordination à l'ouest. La deuxième mesure vise à renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire. La troisième, c'est la formation des agents de santé à la reconnaissance, à la notification et à la prise en charge de cas. La quatrième mesure, c'est la mise à disposition des professionnels de santé et d'équipements de protection individuelle. Et puis la cinquième mesure, c'est la sensibilisation de l'ensemble de la population, ce qui se fait tous les jours. Une autre des grandes préoccupations du Conseil, les cas de grossesse en milieu scolaire. Face aux problèmes de plus en plus récurrents, le gouvernement entend sévir conformément à la campagne de lutte contre ces fléaux qu'il a décidé de mener. Pour l'année scolaire 2012-2013, il a été dénombré 5076 cas de grossesse. Chose gravissime, il a été dénombré dans ces 5076 cas environ 1000 cas dans les écoles primaires. Ça devient inadmissible. Donc des décisions seront prises très fortes pour sanctionner toutes les personnes qui seront concernées. Et dans certains cas, des mesures pénales. Le premier conseil des ministres après le séminaire gouvernemental tenu ce lundi 31 mars 2014, fixant comme priorité l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Si la coutume est respectée, le prochain rendez-vous est bien dans une semaine. Comment relancer le partenariat Europe-Afrique? Près de 80 dirigeants africains et européens discutent de la question depuis ce matin à Bruxelles. C'est le 4e sommet Union européenne-Afrique. Le président français François Hollande a proposé une alliance entre l'Europe et l'Afrique autour de 3 enjeux: la sécurité, le développement et l'environnement. Les Africains voudraient surtout que l'Europe augmente sensiblement ses investissements en Afrique. Et ajouter que ce 4e sommet a été précédé par une réunion consacrée à la Centrafrique. Plusieurs dirigeants européens et africains, dont Catherine Samba-Panza de la Centrafrique, ont participé à ce mini-sommet convoqué par le président français. Catherine Samba-Panza a plaidé pour que l'aide financière promise par les pays européens soit rapidement débloquée. L'UE va envoyer près de 1000 hommes en Centrafrique et cette force aura surtout pour mission de sécuriser l'aéroport de Bondi et ses alentours. Ce mercredi 2 avril, tous les regards sont tournés vers les personnes souffrant d'un trouble permanent de développement, à savoir l'autisme. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé ce 2 avril Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme afin de mettre en évidence la nécessité d'aider à améliorer la vie des enfants et des adultes qui souffrent de ce trouble. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis justement sur la sensibilisation, la prise en charge des enfants autistes et nous en reparlerons dans notre édition de ce soir.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait état de 5 nouveaux cas d'infection au virus Ebola en Guinée, ce qui porte à 127 le nombre de cas suspects, dont 83 mortels. En dehors de la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont rapporté des cas suspects et des décès en lien avec ce virus. Le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée. L'Égypte, secouée par trois attentats commis ce mercredi au Caire, la capitale. Deux bombes ont explosé quasi simultanément en début d'après-midi devant l'université du Caire et une troisième a explosé 2 heures plus tard dans un parc à proximité du campus. Un général de la police a été tué et 5 autres personnes blessées. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. Hors du continent africain, en France, le gouvernement Valls a été dévoilé ce mercredi, un gouvernement resserré composé de 16 ministres. Sur les 16 ministres, 14 sont socialistes. La liste des secrétaires d'État sera dévoilée la semaine prochaine. La parité y est respectée avec 8 hommes et 8 femmes. Le prochain conseil des ministres se tiendra ce vendredi et comme je l'ai dit, les secrétaires d'État seront eux nommés la semaine prochaine. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous. On se retrouve à 20h, à 21h précisément pour la grande édition.